La ville de Venise était fort riche, quoique son commerce fût déchu, cependant il se maintenant encore. Et cette famille de livres d'or avait en partie l'administration. Ils remplissaient le Sénat, le Conseil, les 46 et autres magistratures, ce qui excluait les nobles de la terre ferme. Ceux-ci comptaient parmi eux un grand nombre des familles riches, illustres et puissantes qui sujettes et privés de tout pouvoir, demeuraient sans considération et jalousie en beaucoup la noblesse souveraine de Venise. Ce noble de terre ferme descendait en partie des anciens condottieri, des anciens podestats, ou autres personnes qui, je dis, avaient joué un grand rôle dans les républiques de leur vie, et dont les ancêtres, après s'être opposé longtemps aux entreprises de Venise, avions été victimes de la politique de cette république. Ainsi, à la jalousie et à la haine qui leur inspirait la nature du gouvernement, se joignaient encore les ressentiments historiques soigneusement perpétués. Ces provinces de terre ferme étaient généralement mécontentes et fort peu attachées à leur gouvernement. La plus grande partie du peuple faisait comme commune avec la noblesse de terre ferme. Une portion, cependant, s'attachait aux nobles vénitiens qui avaient des propriétés et des établissements dans presque toutes les provinces. Les prêtres étaient sans crédit, sans considération dans la République, que des très bonnes heures s'étaient affranchies de toute influence de la part du pape. Le chef de la maison d'Autriche, qui possédait Milan et Mantua en Italie, est une portion de l'Istrie sur l'Adriatique, avait beaucoup d'intérêts mêlés avec Venise. Et celle-ci, qui avait alors redouté constamment, c'était toujours maintenu contre lui par l'équilibre de l'Europe, et spécialement par la protection de la France. Puis aller du Tyrol à Mantua par la Lombardie. Il faut traverser le territoire vénitien depuis Rivoli jusqu'à Mantua, ce qui forme environ du jus de marche des traités et assurant à l'Autriche une route militaire, mais les troupes devaient la traverser désormais par petits détachements. Aucune autre route militaire n'était accordée au travers du pays, depuis l'Adige jusqu'à Lisonzo. Dans les guerres précédentes en Italie, l'Autriche était obligée de faire les communications de son armée par mer. Des tristes topos. Les convois ne pouvant traverser le Frioul et les états de terre ferme, hormis la route de Rivoli à Mantua. C'est ce qui donna lieu à la croisière du chevalier de Forbin sous Louis XIV, qui interceptait les communications par mer des Tristes au Pô. Lorsque la première coalition se forma contre la France, les puissances engageront cette république d'y prendre part. Il ne paraît pas qu'il s'éleva à ce sujet de discussion sérieuse dans les conseils du y feront de même avis. Ils étaient tellement éloignés du théâtre qu'ils se regarderont comme étrangers à ces affaires et voudront demeurer neutres. Lorsque le comte de Lille choisit Vérone, pour son séjour, Venise ne l'accorda qu'avec le sentiment du comité de salut public, qui préférait savoir des prétendants à Vérone qu'en tout autre lieu. Quand les troupes françaises marcheront en 1794 vers Verona et que leur camp s'établit à Savone, on crut l'Italie menacée d'invasion et plusieurs puissances se réuniront en congrès à Milan. Venise refusa d'y paraître, non qu'elle ne condamna les principes français, mais elle redoutait de se livrer à la merci de l'Autriche. Le danger d'ailleurs lui paraissait très éloigné. Mais quand Napoléon parvint à Milan
et que Beaulieu se réfugia épouvante derrière la maison, qu'il entra le pesqueur et y assit sa droite dans l'espoir de défendre l'amitié. Alors l'incertitude des armes fut grande dans la République. L'espace immense qui avait séparé jusque-là la lutte de la démocratie et de l'aristocratie était franchi. La guerre des principes et celle des canons se trouvaient au sein de l'État. Des vives orageuses discussions agiteront le Sénat qui se partagea entre trois opinions. Pesaro et les plus jeunes sénateurs partisans de l'Autriche voulaient que l'on se déclarât contre la France. Ils voulaient la neutralité, mais la neutralité armée. Ils voulaient qu'on jetât des fortes garnisons dans Pescara, Brescia, Bergame, dans Porto, Legnano et Vérone. Qu'on déclarât ces places de guerre. Ils voulaient qu'on levât 50 000 hommes, qu'on armât avec activité les lagunes, qu'on y plaça les chaloupes canonnières, qu'on équipa une escadre pour tenir l'Adriatique, et que, dans cette attitude formidable, on déclara la guerre au premier qui violerait désormais le territoire. Ceux de cette opinion disaient que si la dernière heure était arrivée, il valait mieux périr les armes à la main que d'expirer honteusement. Qu'en défendant le territoire, on empêcherait les idées françaises de inoculer dans les principales villes, qu'on obtiendrait des deux parties ennemies d'autant plus d'aménagements qu'on se serait mis plus aux mesures d'en exiger, que si au contraire on ouvrait paisiblement les portes et qu'on laissa entrer les Français dans les grandes villes de terre ferme, alors la guerre des deux grandes puissances s'établissait sur le territoire de la République et dès ce moment la souveraineté lui échappait. Que le premier devoir du prince est de protéger ses sujets. Oh, le seront-ils, pourront-ils l'être si on laisse établir le théâtre de la guerre sur le territoire? Les campagnes seront ravagées, les villes brûlées successivement par les deux armées. Alors les peuples malheureux perdront toute estime et tout respect pour l'autorité qui les abandonne. Les germes de mécontentement et de jalousie qui existent déjà fermenteront avec violence. La République expirera donc, mériter même les regrets de l'histoire. L'opinion à laquelle se rallieront tous les vieux sénateurs était de ne prendre aucun parti décisif. Ils avouaient que tous les dangers étaient en vrai, qu'on avait à craindre tout à la fois et l'ambition de l'Autriche et les principes de la France, mais que ces maux étaient heureusement passagers, qu'avec du ménagement et de la patience, on éviterait les inconvénients qu'on craignait, que les Français étaient d'une naturelle conciliante, facile à caresser, qu'avec des bons procédés et des gouverneurs habiles, tenant un grand état de maison, ayant quelques fonds à leur disposition pour les dépenses secrètes, on s'emparerait à l'esprit de leur chef, on se concilierait leur opinion qui déclarait de se fermer. Une neutralité armée, c'était déclarer la guerre à la France. Qu'on ne pouvait leur fermer des portes qui avaient été ouvertes à leurs ennemis, sans leur donner un juste sujet de guerre, eux pouvaient-ils songer sérieusement à leur résister avec quelques milliers d'esclavons. La République ne devait pas compter sur les Brescia ni sur les Bergamasques qui s'insurgeraient tout d'abord et qui, si l'on venait à combattre, les Français trouveraient aussitôt dans leurs partisans de la terre ferme un équivalent au lever qu'on pourrait faire venir contre eux et
d'un Messie. Quels les mots étaient grands sans doute la crise dangereuse, mais qu'on n'était pourtant pas au point où les peignaient les têtes exaltées. La République avait traversé bien d'autres orages, il fallait gagner du temps. C'était avec ce sage principe que leur ancêtre s'était mis nous. Heureusement, la Providence avait fixé leur capitale dans une vie imprenable. Tous les efforts de la République ne devaient avoir pu bout que de renforcer cette capitale en opposant à tout le reste la patience, la modération et le temps.